À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévus, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Les Amants de Gouttière, une fantaisie radiophonique d'Yves Jamiac, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. L'histoire que vous allez pouvoir entendre ce soir et qui est de Yves Jamiac est intitulée « Les Amants de Gouttière ». Vous pourrez y apprécier une face du grand talent d'Yves Jamiac fort différente de celle qu'il a manifestée récemment dans cette nouvelle que vous n'avez sûrement pas oubliée, « La folie en tête ». Nous vous rappelons le fait divers qui a inspiré « Les Amants de Gouttière ». Fantôme ou Asmodée ? Lyon. Depuis plusieurs mois, les locataires demeurant au sixième étage dans les combles aménagés des immeubles des 26 et 28 cours Grand Bêta, dans le quartier de la Guillotière, entendent fréquemment au cours de la nuit des bruits de pas résonnant sur la toiture. Malgré plusieurs interventions, les recherches effectuées par les policiers n'ont abouti à aucun résultat. De leur côté, plusieurs locataires ont déclaré avoir vu, avec certitude, un fantôme se promener sur les toits. C'est Maurice Ray de Marseille que le sort a désigné comme le gagnant de la brochure dédicacée par l'auteur et les principaux interprètes. Les Amants de Gouttière. On se demande ce que peut bien dissimuler ce titre à la fois charmant et mystérieux. On songe à des chats, ou encore à des cambrioleurs, ou à des somnambules? Eh bien non. Ce soir, avec votre permission, les Amants de Gouttière, ce seront des fantômes. Aimez-vous les histoires de fantômes? Notre amie Germaine Beaumont m'a conté une histoire de revenant qui est certainement la plus courte de toutes celles que l'on a jamais imaginées. Elle tient en 7 mots. J'ai rencontré John et sa veuve. Avouez que l'on chercherait vainement plus bref. Si l'on n'y a pas pris garde, on peut très bien ne pas se rendre compte qu'il s'agit d'une histoire de fantômes, ni même d'une histoire du tout. Je répète, j'ai rencontré John et sa veuve. Mais je n'ai que trop retardé votre plaisir. Montons tous sur le toit, si vous le voulez bien, sur le toit où vous attendent les amants de Gouttière. Appelez-vous, je vous en prie. Pardon, madame. Voilà, c'est chez vous. Ah, évidemment, il y a cet étage, mais vous êtes jeune. C'est pas comme moi. Rien que de monter le courrier, ça me donne des palpitations intercostales que j'en ai tout le sang qui me fait gonfler le visage. Même que si c'est pas trop vous demander le courrier, vous pourriez le prendre à la loge le matin en passant. C'est une galanterie que tous les locataires me font. Enfin, voilà. Voilà. C'est tout de même un petit 2 pièces. Ah, il y a pas le gaz, mais il y a l'eau. Sur le palier, là, 2 étages en dessous. Et puis c'est un immeuble bien. On est obligé de dire son nom quand on rentre après 10 heures. Vous, c'est monsieur Breton, hein, n'est-ce pas? Oui, enfin presque. Normand. Roger Normand. Tiens. Oh, vous savez, j'ai très bien connu un monsieur Rouen. Vous ne seriez pas de la même famille, par hasard? Pas encore, mais ça peut venir. Ah, vous regardez le panorama, hein? Ça en fait des toits, hein? Ah, quand vous pensez qu'il y a une concierge par l'immeuble... Ça donne à réfléchir. Si vous êtes artiste, ça peut vous inspirer. Je parle des toits, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup les artistes, surtout les poètes. Ah, vous allez me faire regretter de n'être qu'un étudiant en mathématiques. Ça, alors? Ah, ben ça, alors? Ah, oh, faut-il vraiment que ce soit un immeuble ordinaire pour qu'il s'y passe des hasards pareils? Figurez-vous que le locataire qui demeurait dans 2 pièces avant vous, il faisait aussi ses études pour être professeur de mathématiques. Ah. Eh ben, vous direz ce que vous voudrez, mais il y a tout de même des choses qui nous dépassent. Il existe également en mathématiques une loi du hasard. Ah oui? Eh bien alors, avec cette loi-là, il va peut-être bien vous arriver ce qui est arrivé à l'autre. Alors ce n'est pas impossible. Que lui est-il arrivé? Il est mort. Ah, et vous dites ça en souriant. Oh,
mais il n'est pas mort tout de suite. Ah, vous me rassurez. D'abord, il n'est pas mort ici, sous les toits. Il est mort au premier à droite au-dessus de l'entresol. Allons, bon, il est tombé dans les escaliers. Oh non, le pauvre. On peut même dire que personne n'a été plus surpris de mourir que lui, quand ça y est arrivé. Pensez, ça s'est passé dans l'euphorie. Pardon? Mais il faut que je vous dise qu'au premier à droite, au-dessus de l'entresol, c'est l'appartement à la Diamantina. Non! Comme je vous le dis, oh. Carmen Diamantina. Ça vous classe un immeuble, ça, hein? Félicitations, madame. Et qui est cette Carmen Diamantina? Comment, vous la connaissez pas? Je dois sans doute être le seul. Enfin, renseignez-moi vite, je ne vais plus pouvoir respirer avant de savoir. Carmen Diamantina... C'est rien du tout. C'est seulement une des plus célèbres chanteuses de l'opéra comique. Elle ne chante que dans le monde entier. Et elle a son nom dans les journaux que deux fois par jour. Un rien, comme vous voyez. Ajoutez à ça qu'elle n'a qu'une petite voix de rien du tout, juste à vous faire entrer dans les transes qui finissent plus. Je parie que c'est comme ça que le précédent locataire est mort. Mais pas du tout, monsieur. Il est mort de congestion. En l'entendant chanter? Mais non, monsieur. Pour cause de refroidissement dans les bronches, qu'il en avait les poumons raides comme des bouts de bois. Ah, ça doit être douloureux. Mais quel rapport avec l'illustre chanteuse? Mais des rapports de sentiments, monsieur. Il n'y a pas que l'intérêt qui compte dans la vie. Il y a un mois, monsieur Robinet, il s'appelait monsieur Robinet, votre prédécesseur, Édouard Robinet. Il y a un mois, monsieur Robinet emménagea ici. 3 jours après, il allait rester chez la chanteuse. Il la connaissait? Non! Mais elle était seule depuis la veille. C'est pas une vie pour une femme convenable. Alors, un grand amour, et puis voilà, pur, ardent et tout. Et blanc! Après 15 jours d'abonneur esquis, le coup de froid dans les bronches, les poumons comme des bûches, la congestion. La mort. C'est la vie. Ah! Ah! Ce qu'elle a pu souffrir, la pauvre femme. Enfin, moi je vous dis tout ça hein, pour vous donner de l'espoir. On commence par habiter à 2 pièces mansardées, puis on finit au premier étage dans un appartement de luxe. À tout prendre, j'aime beaucoup demeurer sous les toits. Enfin, ça vous regarde. En tout cas, les soirs où la Diamantina chante pas à l'opéra comique, inutile de sortir pour vous distraire. Et pourquoi ça? Parce qu'elle chante chez elle. Et d'ici, vous l'entendrez très bien. Ah, vous m'avez fait peur. Oh, écoutez-moi. Je vous recommande son air favori. À l'amour et enfant de bohème. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Ici, je t'aime, prends garde. Z égale 90 degrés moins H moins P. Ainsi, Z prime égale 90 degrés moins H plus P et par suite. Et par suite, H égale 90 degrés moins la moitié de Z plus Z prime. On va finir par le savoir qu'elle ne chante pas à l'opéra comique ce soir. C'est inouï, cette manie de gueuler comme ça son emploi du temps par-dessus les toits. AB au carré égale DH plus la racine de ZA, donc... Donc DH plus 2B égale DH moins la racine de Z. Et si tu m'aimes, eh ben ferme-la! Oh! Je vais lui lancer mes critiques par la fenêtre, moi ça va pas faire un pli! Ouais, du premier droit, au-dessus de l'entresol. Minute, collègue. Qui est là? Chut. Laissez vibrer la corde vocale. Ben de quoi je me mêle? D'abord, où êtes-vous? Assis sur le bord de la gouttière. Alors, vous foutez de moi? Je vous préviens que je suis encore capable de faire descendre un montant l'air plus vite que par un ascenseur. Montant l'air? Que vas-tu chercher par là, collègue? Ah, on se tutoie. D'accord. Montre-toi, gueule d'ange. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai déjà ceci de commun avec les anges que je suis sur ce toit comme un courant d'air entre deux portes ouvertes. C'est ça. Vas-y, fantôme. Fais-moi peur. Je ne vois pas comment je te ferais peur. Je pourrais me coucher sur une mouche qu'elle ne s'en apercevrait pas. Écoute, mon vieux, j'ai passé l'âge de jouer à cache-cache. Si tu veux quelque chose, montre-toi. Sinon, va au diable. Ah non, tu ne sais pas ce que tu dis là. Tu prends une responsabilité terrible. On n'envoie pas les gens au diable comme ça à la légère, sans se demander s'ils ne risquent pas d'y aller pour de bon. Et continue à prendre l'air. Ça te fera du bien.
Moi, je referme la fenêtre. C'est ça. Referme ta fenêtre, tu vas prendre froid. Parce que toi, tu as la veine de pouvoir encore prendre froid. Bonne chance. Et te casse pas la gueule. Oh, là, je n'en sortirai jamais, moi. Entre les chanteuses. Alors, voyons. Delta égale racine de 2h sur r qui me donne la valeur de o sur b. Or, delta moins 2h sur r plus h égale quoi, nom de nom? Enfin, voyons. 2h sur r plus h égale... Égale r sur ba plus h prime. Ouais, merci. Hein? Ah oh, bah ça, par exemple. Enfin, de deux choses l'une. Ou je deviens cinglé, ou je suis bon pour être canonisé, moi. Ok, là? Ben quoi, remets-toi, mon vieux. Un fantôme chez soi, ça vaut mieux que d'avoir des puces. Alors, pour la dernière fois, je n'aime pas ce genre de farce, hein. Alors, où es-tu? Là, à côté de toi. Je suis entré par la fenêtre avant que tu la refermes. Il n'y a rien de surnaturel à ça. Bon, comme tu dis, ça soit tous les jours. Parfaitement, ça soit tous les jours. Seulement, ça n'arrive pas à tout le monde. Allez. Du vent. Je n'ai pas le temps d'avoir des hallucinations, moi. Je ne suis pas poète. Je suis mathématicien. Donc, rationaliste. Et comment? Alors, nous n'allons pas tarder à nous comprendre. Écoute, collègue. P égale présence, P prime égale parole, F égale fantôme. Donc, P égale P prime, P plus P prime égale PP prime, PP prime égale F, donc F plus P prime égale P. Autrement dit, fantôme plus parole égale présence, ou encore présence plus parole égale fantôme. C'est QFD. C'est juste? Irréfutable. Alors, bonjour mon vieux. Salut Roger. Ah, tu connais mon nom? Roger Normand, c'est écrit sur une enveloppe qui traîne sur ta table. Ah bah c'est ça, lis mon courrier. Parce que j'ai à foutre de tes petits secrets de vivant. Moi, je suis Édouard. Édouard? Édouard Robinet. Ah, je vois. La Diamantina, le premier étage à droite, l'étudiant en maths, le coup de froid dans les bronches, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Voilà, tout ça, c'est moi. Il n'y a que le coup de froid dans les bronches. Alors là, vois-tu, c'est précisément là où réside le problème. Quel problème? Le problème de Robinet. Joli, n'est-ce pas? Très, très. Bien, puisque le collègue ne réagit pas à l'esprit, si l'on peut dire, soyons sérieux. Je t'écoute. Je n'ai pas dit funèbre. Ah. Assieds-toi. Ce n'est pas parce qu'on se découvre devant un enterrement que tu dois te tenir debout devant un fantôme. Non mais dis-moi d'abord où tu es. J'ai pas envie de m'asseoir sur tes genoux. De toute manière, ça fait déjà 10 minutes que tu marches sur les pieds. Oh, pardon. Pas de mal. Bien, laisse-moi d'abord te dire que je ne devrais pas être ici. La place d'un fantôme sérieux n'est pas sur le rebord d'un toit. En ce moment, je devrais me prélasser sur une étoile spectroscopique. Seulement, voilà. Pour qu'un fantôme puisse s'élever jusqu'à sur Capella ou jusque sur l'épi de la Vierge, il faut qu'il soit léger de tout souci terrestre, qu'en langage spectral, nous nommons les énigmes de l'en de ça. Or donc, si je n'ai pas pu continuer mon ascension plus haut que la gouttière, c'est qu'une énigme me plombe les talons. Et tu viens me trouver en tant que confrère en maths, pour que je t'aide à résoudre ce problème. Ça se fait, non? Rien de plus logique. Les données du problème, vas-y. Voilà. Étant donné qu'un médicament de 875 francs en vente dans toutes les bonnes pharmacies, sur ordonnance médicale seulement, peut guérir une bronchite en 48 heures à raison de 4 gouttes dans une infusion toutes les 3 heures, et prenant X pour inconnu, calculer la valeur de X en considérant que le bronchiteux, au lieu de guérir, en est mort. C'est un problème idiot. S'il est mort au lieu de guérir, c'est que... C'est que quoi? C'est que... Ah oui, ah, bah, évidemment. C'est tout de même curieux. Hein. Tu vois? Ça le fait pas dire. Il y en a qui ont eu le temps d'attraper 36 bronchites dans leur vie. Moi, à la première, je claque. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche, mathématiquement parlant. Oui, incontestablement. Mathématiquement, tu n'aurais pas dû mourir d'une bronchite. N'est-ce pas? Ouais. Sans compter que c'est ridicule. De quoi ai-je l'air? Alors, hypothèse. La bronchite ne fait pas mourir. Conséquence, je ne suis pas mort de la bronchite. Théorème, qui ne meurt pas de la bronchite meurt d'autre chose. Autre chose égale X. X égale? Égale autre chose. Voilà. Voyons. Corollaire. Médicament, 3 gouttes toutes les 4 heures égale guérison en 48 heures. Hypothèse. Médicament, une goutte seulement toutes les 4 heures égale... Égale bronchite qui ne guérit pas. Mais qui ne tue pas. Rejetons dans l'hypothèse. Reste. Médicament, 6 gouttes au lieu de 3 toutes les 4 heures égale... Égale guérison deux fois plus rapide. Ou poison. Le problème est de savoir si elle a voulu me guérir deux fois plus vite. Elle est si bonne, si généreuse, ça ne m'étonnerait pas. Les guérisons passionnelles sont choses courantes. Pour un fantôme de Napoléon, il y a 1000 fantômes que l'amour a soignés. À quoi cela peut bien te servir maintenant de savoir? Savoir? Mais tout est là. La curiosité est un sale poison qui vous empêche de mourir complètement. Il faut m'aider à savoir, collègue, il faut m'aider à mourir. Mais avec plaisir, mon vieux.
Mais que veux-tu que je fasse? Pas grand-chose. Il faut que je revive les 15 derniers jours de ma vie. Voilà, les 15 derniers jours de ma vie, c'est exactement le temps de ma liaison avec la Diamantina. Le seul moyen de savoir si elle m'a empoisonné est de revivre minute par minute les 15 derniers jours de nos délices. Tu me suis? La soupçonnes-tu d'avoir eu des raisons de t'empoisonner? Je n'en vois qu'une. Elle m'aimait trop. C'est une âme tellement sensible. Du reste, tu verras. Comment je verrai? Il s'agit de refaire exactement, minute par minute, tous les gestes qui meublèrent le temps de nos amours et de les refaire dans un seul but, celui de saisir le dernier geste de Carmen avant ma dernière minute. Mais qu'est-ce que je viens faire dans tout ça? Ce que tu viens faire? Mais les gestes, mon vieux, les gestes. Quoi? Je suis l'esprit, tu es le corps. Le corps? Quoi? Quel corps? Mais le tien, ton corps à toi, celui que tu me prêtes. Que je te prête? 15 jours, seulement 15 jours. Tu peux pas m'refuser ça. Enfin, tu es fou, mon vieux. Demande-moi ma brosse à dents pendant que tu y es. Ma parole, on croit que je vais te bouffer. Mais qu'on croit ce qu'on veut. Je suis un corps libre, dans une libre nation, et je prétends le demeurer. Et la fraternité, qu'en fais-tu? Frère, d'accord. Même jumeau, si l'on veut. Mais si à moi... Jamais. Mais puisque tu ne t'en apercevras même pas, je rentrerai dans ton corps sur la pointe des pieds. La place est prise. Oh, malheureux. Comme si tu ignorais que dans un seul corps, il y a de la place pour 50 âmes et 150 consciences. Tiens, je me recroquevillerai dans une case vide de ton cerveau. Celle de la littérature, par exemple. Victor Hugo, Shakespeare, Platon, Mauriac, Peter Chenet, Isou, le mémorial de Sainte-Hélène, Confucius, Maurice Chevalier, la Bible, le roman de la Rose et l'encyclopédie universelle. Il n'y a plus de place. Et pourquoi ris-tu? Parce que je peux nager plus à l'aise dans ton cerveau que dans une piscine olympique. Et comment peux-tu le savoir? Mais je peux le savoir pour la bonne raison que j'y suis. Ah non! Ah non, non, tu n'as pas le droit! Allez, sors de là, hein! Sors! Sors, je te dis, ou j'appelle la police! Sors! Je sortirai dans 15 jours. Ça s'appelle de la violation de domicile. C'est puni par la législation de 48. J'en appelle à la déclaration des droits de l'homme, au tribunal de la haie, à l'opinion publique. Vénard, tu vas vivre 15 jours d'amour. Ah, au secours! Au secours! Ah, je veux pas être empoisonné! Tu ne seras peut-être pas. J'aime pas les jeux de hasard. Après tout, ce n'est pas plus désagréable que de se faire écraser par un autobus. À toi de faire attention. Surprendre le geste au bon moment. Je te ferai signe. Oh, qu'elle se taise, celle-là, mon... Qu'elle se taise! Ça t'énerve, n'est-ce pas? Parfait, c'est ce qu'il faut. Mais au lieu de lui hurler par la fenêtre comme tu voulais le faire tout à l'heure, tu vas procéder de la même façon que moi, le soir où je l'ai connue. Je suis descendu la trouver et je lui ai dit ceci. Je suis le locataire du 7e sous les toits. J'y demeure seul. Je m'appelle Roger Normand. Je suis étudiant en mathématiques. Voilà. Je suis envoûté par votre voix. C'est un véritable désastre psychique. Je ne peux ni penser, ni travailler, ni manger, ni dormir, ni vivre enfin. Ni vivre enfin. Je viens vous supplier. À genoux. Non. Si. À genoux. De m'épargner l'ensorcellement dans lequel votre voix me fait sombrer chaque jour un peu plus. Si vous avez un cœur, une âme... Divine enchanteresse. Non. Si. Divine enchanteresse. Je vous supplie de retenir cette voix qui me réduit à l'état d'esclavage, au fond d'un... Impossible. Quoi? Impossible amour. Au fond d'un impossible amour. C'est tout? C'est tout? Oui. Oui. Comme c'est étrange. J'aime beaucoup les mathématiques. Moi aussi. Je n'ai jamais eu l'occasion de connaître un mathématicien. Oh, la garce! Et cependant, j'ai toujours rêvé qu'un mathématicien soit un jour amoureux de ma voix. C'est étrange, n'est-ce pas? Très. Du reste, je suis moi-même une créature étrange. Connaissons-nous 15 jours seulement, et vous verrez. 15 jours? C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire le tour de ma complexité. Vous comprenez, je suis un rêve étrange, une sorte d'irréalité, une irréalité qui chante. L'amour est enfant de bohème. Qu'est-ce que qui je dois faire? Jamais connu de Parme-toi. Moi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Oh, oh, que c'est beau, que c'est profond, que c'est émouvant. Arrêtez, je vous en supplie, c'est trop beau, je n'en peux plus. Grand enfant étrange, que me demanderiez-vous pour me donner des leçons de mathématiques? Ben, je... Mais dis donc, idiot. Je vous demanderai de me donner des leçons de chant. Comme c'est étrange.
votre voix dans le masque. Là. Ça doit vibrer là, n'est-ce pas? Non, c'est la voix comme si vous aviez envie de bâiller. Respirez, ouvrez la bouche. Répétez. Répète après moi. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse. À la somme des carrés. À la somme des carrés. Construit sur les deux autres côtés. Construit sur les deux autres côtés. Allez, ma chérie, répète-moi ça toute seule comme une grande. Hein? Mmh. Allez, le... Le carré de l'hypoténuse est égal... Si je ne m'abuse, à la somme des carrés. Sors le ventre, mon amour. Mon ange. Mon trésor. Bombe le torse, mon héros, bombe le torse. Le carré de l'hypoténuse, ma colonne. Mon pigeon est égal, si je ne m'abuse. À la somme des carrés. Le carré de l'hypoténuse. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Le carré de l'hypoténuse est égal si je ne m'abuse. Tristan Iseut, ma chère. Roméo et Juliette, Philémon et Baucis. On n'a jamais vu ça. Déjà trois énormes jours. Comme c'est étrange. C'est bien simple. Une passion pareille, ça ne se trouve qu'au second décan de la Vierge. Et encore. Seulement dans les horoscopes publiés par Femina Mode. Un petit gâteau, ma chérie. Ah, si ça continue... Comme ça, pendant 48 heures encore, je sens que je vais être obligée de l'épouser. Encore un peu de thé. Merci. Mais au fait, il était également mathématicien. Qui donc, ma chérie? L'autre. Quel autre? Comment? Déjà? Celui qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort? Édouard. Oh, Édouard. Comme c'est étrange. Oui, Édouard, ce pauvre cher amour. Dieu est son âme. Il y a que si je l'avais épousé, je serais veuve. Tu te rends compte? Un coup à me casser la voix. Encore un petit gâteau, ma chérie. Non. Tout cela est tellement étrange. Alors, collègues, ces cigares, ils sont bons, mes cigares. Et la fine champagne, elle est bonne, ma fine champagne. Et cette robe de chambre, tu t'y sens à l'aise dans ma robe de chambre? Est-ce que tu vas finir par me laisser quelque chose à moi, oui? Mais qu'est-ce qui nous appartient dans ce monde? Nous profitons tous d'un patrimoine commun, pas plus. Tout cela appartenait déjà à son cousin qui est parti aux Indes pour devenir yogi. Comme quoi tout se tient, le mysticisme du cousin nous permet de fumer ses cigares, de boire sa fine champagne et de mourir dans sa robe de chambre. Tu es mort dans cette robe de chambre? Ben, il faut bien mourir dans quelque chose. Écoute, Édouard,
Inutile de faire le soif plus longtemps. Mon opinion est faite, tu es victime d'une bronchite et de rien d'autre. L'amour, collègue, te fait oublier les mathématiques. Elle t'a eu. Oui, possible, en tout cas, moi, elle-même. Alors, prends garde à toi. Aujourd'hui, sixième jour de ton paradis. C'est au septième que ton purgatoire commence. Amour de ma vie, tu m'accompagnes au théâtre ce soir. D'avant-scène pour toi tout seul, collègue. Juste en face de celle du président de la République. La seule différence, c'est que pour toi, ça ne durera pas aussi longtemps que la République. Tu vas me laisser profiter du spectacle, oui. Faut-il que tu l'aies dans la peau, tout de même. Qui ça? L'opéra comique, bien sûr. Oh, étrange créature. Elle me cherche des yeux. En mon temps, je le croyais aussi, mais c'était une illusion d'optique. Tu vois bien qu'elle tourne la tête par ici. Hein. C'est pour montrer son meilleur profil au fauteuil d'orchestre. Je te dis qu'elle me sourit. Erreur! Elle cherche à faire étinceler les mailles de ses dents dans la lumière d'un projecteur. Il est notoire que les fantômes n'ont plus le sens des réalités. Bien, bien. Après tout, il n'appartient qu'à toi de garder ton sang-froid, collègue, de voir les choses comme elles sont et en fin de compte de ne pas prendre du poison pour un antibiotique. Alors là... Laisse-moi rire. Je te laisse rire, collègue. Ris, si tu l'oses. Je voudrais bien tenir l'abruti qui a éclaté de rire pendant mon grand air. Aussi vrai que je suis vivante, je le tuerai. Comme c'est étrange. Étrange, étrange. Tu n'as que ce mot-là dans la bouche. Qu'est-ce qui est étrange? Tes lèvres, ange de mon cœur. Tes lèvres qui parlent de tuer si facilement. Elles le disent, et tu ne le penses pas. Je ne le pense pas, amour de mon cœur. Comment pourrais-tu le penser, ange de ma vie? Comment, mais aussi simplement que je le dis, amour de mon cœur. Tu ne me crois pas? Non. Oh, fasse le ciel que je tienne le crétin qui a osé rire pendant que je chantais. Tu le tuerais? Je le tuerais! Eh bien, tue-le. Je suis ce crétin-là. Toi? Moi. Comme c'est étrange. Alors... Tu vas me tuer? Mais, bien entendu, je vais te tuer, bien entendu. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Amour de mon cœur. Tu vois bien. Tu vois bien que tu n'y penses pas, ange de ma vie. Ma colombe, est-ce que tu me pardonnes d'avoir osé rire? Ah, parce que c'est vraiment toi qui as ri. Comme c'est étrange. Ange de ma vie. Amour de mon cœur. Alors, ça va, Monsieur Breton? Normand. Oh, pardon. Ça va, Monsieur Normand? Merci, et vous? Vous avez du courrier? Non, Monsieur Normand. De toute manière, maintenant, je peux vous le monter. Ça ne fait que 18 marches. Alors, comme ça, ça va? Ça va très bien. Comme c'est étrange, tout de même. Vous aussi? Quoi, moi aussi? Rien. Et vous êtes-y content? Très. Et Mademoiselle Diamantina, elle est heureuse? Très! Ah, ce que c'est que la vie! N'est-ce pas? Mon homme me disait encore hier que quand on vous voit descendre ensemble, ça fait tout drôle. À croire que ce pauvre monsieur Robinet n'est pas mort, tellement que ça se passe de la même manière. Ah, il a dit ça, votre homme? Ah, forcément que j'y ai répondu, à cause de la loi. Quelle loi? La loi mathématique du hasard. Même que je me fais bien du souci pour vous. Du souci? Vous êtes bien chauffé, au moins. Il y a de la grippe dans l'air en ce moment. Il s'agit pas de prendre froid. La loi du hasard, madame, est beaucoup plus compliquée que cela. Oh, mais je ne dis pas le contraire. Mais tout de même, sortez pas sans casse-colle. D'autant plus que, n'est-ce pas, ça fait 10 jours que vous voilà au premier, à droite, au-dessus de l'entresol. Et alors? Et alors, collègue? À partir d'aujourd'hui, tu peux abréger les épisodes sentimentaux. Tu me comprends? Justement, non, je ne comprends pas. Ça ne fait rien, ça va venir. Si tout va bien, c'est ce soir que tu prends froid. Si tout va bien? Madame, c'était dans le jeu, non? Non! Pourquoi prendrais-je froid? Il n'y a aucune raison pour que je prenne froid. Écoute, collègue, F égale froid. Ah non, 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 ça suffit comme ça, hein? Les équations, c'est du sang de fantôme. J'en ai par-dessus la tête. Bon, soyons primaires. 1 et 1, 3.
Voilà. C'est pour ça que tu prendras froid. Tu vas t'ingénier à faire que 1 et 1 fassent 3. Tu vas vouloir fausser les données du problème. Tu vas faire des bêtises et tu vas prendre froid. Zut! 1 et 1, 2. Ah, la bonne heure! Te voilà raisonnable. 1 et 1, 2. Nous voici revenus aux rigueurs mathématiques. Et cette impeccable logique qui fait que 1 et 1 font 2 va également faire que ce soir, tu prendras froid. Mais qu'est-ce que je dois faire, alors? Prendre froid. Ah, fous-moi la peine, nom de Dieu! Ce soir, je mettrai 3 tricots de corps, 2 pulls verts, 2 cache-colles et mon manteau de poil de chameau fourré en peau de lapin. Là. Ce sera ridicule, le thermomètre marque plus 12. Bon, d'accord, je sortirai en veston, ne serait-ce que pour te prouver que je ne crois pas aux prophéties. Ce doit être Roger. Allez voir, Mathilde. C'est bien ici, la loge de Mademoiselle Diamantina. Oui, mais Mademoiselle est très fatiguée. Je ne sais si elle pourra vous recevoir. Qui est là? Prince Dimitri Osgourov. Des yogourts et petits suisses Osgourov. Vente en gros uniquement et fournisseur exclusif de l'aristocratie. Laisse entrer, Mathilde. Prince, j'adore les petits Suisses. C'est trop d'honneur, madame. Je les dépose tous à vos pieds. Vous avez été ce soir positivement admirable. Et croyez-en l'artiste que j'aurais pu être si la Révolution ne m'avait pas coupé la voix sous les pieds. Ah, la Révolution, prince. Il n'y a rien de plus mauvais pour le chant que les révolutions, si ce n'est le tabac. Puis-je me permettre de vous demander une faveur, madame? Une faveur, prince? Comme c'est étrange. Je suis, hélas, arrivé en retard et je n'ai pu assister au premier acte. C'est une perte qui me rend inconsolable. Et comme mon tempérament se lève, me dirige déjà vers la neurasthénie, il est possible que si nul n'y porte remède, je vienne à me suicider ce soir ou cette nuit, pour peu que la lune soit rousse. Comme c'est étrange. Ce n'est pas que je tienne à la vie, oh non. Mais quitter la vie sans vous entendre chanter le premier acte de Carmen, cela me semble positivement surhumain. Demandez-moi ce que vous voulez. Diamantinoska, je vous offrirai tout, âme et corps de prince, pourvu que vous acceptiez de venir chez moi ce soir me chanter des airs que je n'ai pu entendre. Voyez, ma vie est suspendue à vos lèvres. Mon Dieu. Je ne me sens pas le droit de laisser mourir un prince. Merci. Nef digne des flots de la Volga. Cela vous sera compté dans le paradis orthodoxe. Madame, c'est monsieur. Tu es prête, amour de ma vie? Excusez-moi un moment, prince. Enjouez-moi au cœur, je vous donne rendez-vous dans une heure sous l'horloge de la place de l'Opéra. Tu me dis vous, maintenant? On ne se tutoie jamais devant un prince. Mais quel prince? Monsieur est prince. Ah oui, alors? Vous ne comprendrez jamais rien à l'art, mon amour. Dans une heure, sous l'horloge de la place de l'Opéra. Pourquoi sous l'horloge de l'Opéra? Parce que l'horloge de l'Opéra, ça m'a toujours porté bonheur. C'est étrange, n'est-ce pas? Une heure de retard. Ça peut arriver à tout le monde d'être en retard. En tout cas, ce n'est pas à 2h du matin qu'on peut invoquer les embouteillages de la circulation. Je n'invoque rien, je ne me plains pas, alors fous-moi la paix. Il fait un petit vent frais qui n'est pas précisément méditerranéen. Deux heures et quart. Moi, c'était un baron turc. Dans le métier d'artiste, il faut des relations. Il n'y a que ça qui compte. Bien sûr. Tu as froid aux pieds, n'est-ce pas? Non. Tant mieux. Moi, j'avais commencé par avoir froid aux pieds. Bon, enfin, on n'a pas idée de donner rendez-vous sous une horloge. Puisqu'elle t'a dit que ça lui portait bonheur. 2h30. Merci, je suis placé pour le savoir. Je me demande ce que ce prince peut bien lui raconter pour que ça dure si longtemps. Il n'est pas français, il cherche peut-être ses mots. À tes souhaits. Je n'ai pas froid.
t'ai pas dit que tu avais froid, je t'ai dit à tes souhaits. Merci quand même. Deux heures de retard. Fous-moi la paix. Zut. J'ai même pas de mouchoir. Et pas de parapluie. Un parapluie, pourquoi faire? Parce qu'il commence à pleuvoir. Ce n'est pas de la pluie, c'est de la rosée. Avec une rosée pareille, s'il ne fait pas un beau printemps. 3 heures du matin. Elle aurait au moins pu me donner rendez-vous sous un kiosque. Un prince russe. À quoi peut-il bien servir? Bah rien. Mais quoi, le plaisir d'une femme n'est fait que de petits riens. Rasputin. Et les aiguilles de cette horloge qui n'en finissent pas de tourner. Et cette pluie, bon Dieu de... Mais on n'a jamais vu pleuvoir comme ça à place de l'opéra. Si, moi j'ai déjà vu ça une fois. Tu sens comme ça te pénètre jusqu'aux os? On a l'impression d'avoir la poitrine comme une éponge. Tu trouves pas? Oh. Et que dis-tu de cette petite fontaine qui ruisselle entre ta nuque et le col de ta chemise jusqu'au milieu de ton dos? Tu connais quelque chose de plus froid que ça? Et ces frissons qui te courent le long des jambes? Ça sent déjà les médicaments, n'est-ce pas? Oh, écoute, fous-moi la paix, là. Je te dis que j'ai pas froid. Ange de ma vie. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Le prince a voulu que je lui chante toute la partition. Ah bon? Tu as bien fait, amour de ma vie. Oh, tu es tout trempée. Il ne fallait pas m'attendre, voyons, ce n'est pas raisonnable. Vous les hommes, vous n'avez aucun sens commun. Monte vite dans le taxi. Oh, maintenant, il va falloir que je te soigne. Oh, grand enfant étrange, tu es ridicule. Quatre gouttes dans une infusion toutes les 3 heures. Rien de grave, docteur. Une bronchite de nouveau-né. Dans 48 heures, il n'y paraîtra plus. 48 heures, docteur? Comme ça va être long. Peut-on dire cela, madame, quand la vie elle-même est si courte? Nous y voici, collègue. Il s'agit maintenant d'ouvrir l'œil. Ne te laisse pas aller au moelleux de ce lit. Veille comme la vigie. Et si tu doutes d'un de tes yeux, arrache-le plutôt que de céder un pouce à la confiance. Ça va, ça va. Je m'arracherai même les 2 yeux pour te faire plaisir. Compte sur moi. Mais nom d'un chien, fous-moi la paix. Qu'y a-t-il, ange de mon cœur? Rien, amour de ma vie. J'entends des voix. Tu as la fièvre. Ce n'est rien, mon amour. Tu vas voir comme je vais te soigner. Je te promets que tu guériras 2 fois plus vite. Non! Non, non, non. Il ne faut pas forcer les choses. Je t'assure qu'il ne faut pas forcer les choses, ma colombe. Qui va piano, va sano. Tu n'as pas confiance en moi? Oh, voyons. Oh, ce n'est tout de même pas parce que je n'ai encore jamais soigné personne qu'il faut me prendre pour une incapable. Tu n'as encore jamais soigné personne, amour de ma vie? Non. C'est étrange, n'est-ce pas? Bois ton infusion, mon amour. Tu as déjà versé le médicament? Plutôt 2 fois qu'une, ange de mon cœur. Oh. Oh! Tu as brisé la tasse. Oh. Oh, elle m'a échappé. Une tasse blanche, ça porte bonheur. Votre courrier, mademoiselle Diamantina. Merci. Vous avez une bien petite mine ce matin. Que voulez-vous? La fièvre de monsieur Normand m'épuise. Il va pas mieux? Mon Dieu, ce sont les mieux. Étrange. Ah, ça y est? Les poumons durcissent? Non, pas encore. Ah, pas encore? Pas encore. Dieu merci. Comment? Je dis Dieu merci. Ah oui, je pense bien. En tout cas, ça traîne. Hélas. D'autant plus que je ne sais pas ce qu'il a dans les mains. À chaque fois que je lui donne son infusion, il renverse la tasse. Oh, ça c'est pas raisonnable. Monsieur Robinet, lui, au moins, il se laisse soigner. Pour ça, je dois dire que j'ai eu cette satisfaction de le voir prendre ses infusions jusqu'au bout. C'est du reste pour ça qu'il n'a pas souffert. Évidemment. Mais allez donc lui expliquer ça. Enfin, faut espérer qu'il va se rendre à la raison. Qu'il les prenne, ses infusions, nom de nom, qu'il les prenne. Et qu'on vous réentende à nouveau chanter. Depuis 3 jours que Monsieur Normand est malade, on se croirait dans un cimetière. Fous-moi la paix. À cause de toi, j'ai une fièvre de cheval. À cause de moi, collègue? Parfaitement. Avec tes manières de me faire douter de tout, je n'ose pas prendre un médicament. Si ça continue, je vais crever faute de soins. Nous ne pourrons tout de même pas m'attendrir. Je ne t'ai jamais empêché de boire des médicaments. Au contraire, bois-les. On sera fixés. Parfaitement. La prochaine fois, j'avale l'infusion. Bravo. Et puis quoi, hein?
Si tu y passes, tu ne seras pas tout seul. Une fois pour toutes, je t'interdis de souiller de tes odieux soupçons l'honneur de Carmen. Je ne demande qu'à me tromper, noble chevalier. Je te le prouverai. Amen. Tu parles encore tout seul, ange de mon cœur. Oui, oui, ça ne va pas mieux. Donne-moi mon infusion. Amour de ma vie, je veux guérir. Dieu soit loué. Merci, ma colombe. Tu y as versé mon médicament? Bien entendu. Attends, non, que dis-je? Non, je n'ai encore rien versé du tout. Oh, ouais, la tête. Mais non, bien sûr. Il faut que j'y mette ces gouttes. Nous disons 4 gouttes, n'est-ce pas? Oui, 4 gouttes tout rond. Une. Une. Et d'une. Deux. Deux. Et de deux. Trois. Trois. Et de trois. Quatre. Quatre. Et de quatre. Tu n'en avais pas versé avant, mon amour? Tu en es certaine? Oh, je suis décidément très peinée de voir combien tu doutes de moi. Moi? Douter de toi? Tu vas voir. Donne-moi la tasse. Ah, attention. Ne la renverse pas, là. Bois, ange de mon cœur. Hop! Et voilà. Jusqu'à la dernière goutte. Alors, tu es mort? Je ne sais pas encore. L'amour est un fare poème qui n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Ici, je t'aime, prends garde à toi. Tu es content maintenant, hein? Nous voici tous les deux sur le bord de la gouttière. Oh, sacré nom! Elle n'avait pourtant mis que 4 gouttes. Plus ce qu'elle avait mis avant. Ah bah ça, tu n'en sais rien. Toi non plus. En tout cas, nous voilà bien avancés. Mais oui, on avance. La preuve, c'est que maintenant, je vais pouvoir m'envoler. Et pour quelle raison? Tu n'as pas plus de certitude qu'avant. Non seulement le mystère maintenant, c'est toi qui le portes, hein? Je te passe en quelque sorte le flambeau. Tu vois, le purgatoire, ça n'est pas autre chose. Mais enfin, soyons logiques. Pourquoi nous aurait-elle empoisonné? Chacun de se faire une opinion. Tu en as une opinion, toi? Une toute petite et toute mince. Les femmes ne connaissent leur âge qu'en regardant leur passé. Toutes voudraient effacer ce passé comme on efface une ébauche sur la simèse. Et pour l'effacer, chacune d'elles a un procédé différent et qui n'est qu'une variante dans la course à l'éternelle jeunesse. C'est une opinion? Elle vaut ce qu'elle vaut? Bah, à toi de t'en forger une autre. Hé, hey, attends! Tu vas pas me laisser seul? Bon, au point où nous en sommes, nous ne tarderons pas à nous retrouver. Du reste, penche-toi doucement. Regarde ce qui se prépare dans notre ancien petit deux-pieds. Je vous en prie, mais oui. Vous êtes ici chez vous. Ah, évidemment. Il y a cet étage à monter, mais vous êtes jeune. C'est pas comme moi. Rien que pour monter le courrier, ça me donne des palpitations intercostales que j'en ai tout le sang qui me fait gonfler le visage. Même que si c'est pas trop vous demander, courrier, vous pourriez le prendre à la loge le matin en passant. C'est une galanterie que tous les locataires me font. Enfin voilà, c'est tout de même un petit deux pièces. Il n'y a pas de gaz, mais il y a l'eau. Sur le palier, 2 étages en dessous. Et puis, c'est un immeuble bien, où qu'on dit son nom après 10 heures. Vous, c'est monsieur Marseille, n'est-ce pas? Oui, enfin, presque. Bordeaux, Gustave Bordeaux. Oh, ben alors ça, c'est bien amusant, parce que je me dis aussi que... À bientôt, collègue. Et lorsque le fait divers concernant cette histoire nous fut communiqué, le fantôme du 17e amant de Carmen Diamantina se penchait sur le bord de la gouttière afin d'apercevoir par la fenêtre le 18e locataire du petit deux pièces sous les toits. Les amants de gouttière, nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, avaient pour interprète Nelly Delmas dans le rôle de la Diamantina, Jean Paredes dans le rôle d'Edouard Robinet, Maurice Biraud dans le rôle de Roger Normand et Mathilde Casadesu dans le rôle de la concierge, avec Marcel Lestang, Christiane Regnault et Marguerite Janin. Bruitage Gabriel de Rivage.
pour passer de l'au-delà à nos faits divers hebdomadaires plus terrestres, en voici un qui nous servira admirablement de transition et qui nous est adressé par plusieurs correspondants. Une malencontreuse erreur s'est glissée dans le nouvel annuaire téléphonique de la ville espagnole d'Avila. L'annuaire attribue le numéro 59 à un hôtel du nom d'Excelsior, qui n'a jamais existé dans cette ville, alors que ce numéro est en fait celui du cimetière municipal. Cette erreur a déjà provoqué de nombreuses méprises d'un goût plus ou moins macabre. Monsieur Sorin, à Marseille, et Mademoiselle Lintillac, à Couba, Alger, nous signalent un autre fait divers peu banal. La haie. Une grenade anti-tank chargée servait depuis plusieurs hivers de bouillotte à un couple de vieux fermiers de Kotwijk, près d'Appeldoorn. Pour réchauffer la bouillotte, la fermière la mettait purement et simplement sur le poêle brûlant. La police, mise au courant, s'est empressée de faire désamorcer l'engin explosif. Après avoir miraculeusement échappé à un danger mortel, les fermiers pourront maintenant se servir de la douille de l'engin. Merci à tous nos aimables correspondants qui continuent, fort nombreux, à nous adresser les faits divers qu'ils ont considérés comme les plus marquants dans leur journal quotidien. Parmi eux, nous citerons aujourd'hui M. Yves Broquier, à Marseille, Mlle Sol Lacaro, à Paris, M. Gourvès, à Meudon, M. Henri Agus, à Marseille, Mme Azema, à Montpellier, Mme Seffert, à Bélignat, 1, et M. Jean Dejeune, à Chamalières, Puy-de-Dôme. À vous, Pierre Véry, pour annoncer à nos auditeurs le fait divers que nous avons retenu pour une prochaine émission. Le fait divers qui a été retenu cette semaine pour une émission ultérieure a paru dans le télégramme de Brest en date du 20 février 1954. Le voici. La chanson qui tue, Rio de Janeiro. Le patron du balneario bar a été obligé de retirer le disque de la chanson « Ningen me ama »,« Personne ne m'aime » de sa boîte à musique automatique. Trois clients s'étaient suicidés dans son bar depuis le début de l'année après avoir entendu ce disque. Un tirage au sort a décidé que M. Marcel O.B. à Brest recevrait la brochure dédicacée. Messieurs Roger Laporte à Nice et Olivier Engrenaz à Brest recevront chacun un roman policier. C'est Jean Cosmos qui va imaginer et écrire pour vous une histoire à partir de ce fait divers qui nous rappelle étrangement une chanson intitulée « Sombre dimanche » au rythme lugubre de laquelle on se suicidait volontiers il y a une quinzaine d'années. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Surtout que l'on ne me demande pas pourquoi le dernier roman policier de Steeman que publient les presses de la cité s'appelle Haute tension. J'imagine que c'est une allusion à l'état de perpétuelle angoisse dans laquelle doit vivre l'héroïne Rita Mortimer. Il y a d'ailleurs de quoi. 7 ans plus tôt, Rita a tué son mari d'un coup de revolver. Au lieu d'évoquer telle ou telle raison qui eût apitoyé les jurés, elle a préféré accuser du crime un dévoyé qui, venu pour cambrioler la villa ce même soir, était reparti en laissant son revolver entre les mains du mari. Celui-ci avait su, en effet, le persuader qu'il était préférable de changer d'existence, de ne pas voler et de ne pas circuler avec des armes dans sa poche. Naturellement, il a été facile à Rita de dire qu'elle a trouvé son mari mort avec le revolver du cambrioleur à côté de lui. L'ennui pour Rita, c'est que le dévoyé, un nommé Cadet, a réussi à s'évader de sa maison de détention et qu'il revient chez Rita pour se venger. Il commence par exercer sur elle un droit assez primitif et qui était celui des conquérants dans le sac des villes. Puis, l'ayant ainsi assujetti à la loi du vainqueur, il l'entraîne dans toute une série d'aventures dont la malheureuse, prise comme dans un filet, ne peut parvenir à se libérer. Cadet, par exemple, trouve agréable de renouer des relations intimes avec une ancienne petite amie à lui, Nikki, de l'installer chez Rita et de réduire Rita au rôle de servante terrorisée. Mais tout a une fin, même le malheur, et celle que trouve Steeman est saisissante. Haute tension est le meilleur roman que Steeman ait écrit depuis longtemps. Saluons maintenant avec joie
Le retour de Dorothée Sayers. Le Masque publie un de ses romans de la série des Lord Peter, où nous voyons ce nonchalant, insolent et charmant Lord Peter se colter avec le crime et, en l'occurrence, sauver son propre frère aîné, le comte de Denver, du grand ennui d'être pendu pour un crime qu'il n'a pas commis. Évidemment, si le comte de Denver n'avait pas trompé sa femme, il ne se serait pas mis dans un mauvais cas. Mais d'autre part, si l'adultère devait être puni par la pendaison, que de potence, que de potence. Je crois qu'on lira avec beaucoup de plaisir « Trop de témoins pour Lord Peter » par Dorothée Sayers dans la collection « Le Masque ». Les spectacles vus par Roger Régent. J'avoue que cette femme au gardénia, le dernier film de Fritz Lang que l'on vient de nous présenter, ne m'a pas ennuyé une seconde. C'est un drame policier sans surprise, sans style, sans personnalité aucune, mais qui, dans le genre préfabriqué, est bien coupé et dont les parties sont habilement ajustées. Drame sans surprise, ai-je dit. Oui, et c'est même ce qui gâche un peu notre plaisir, car le petit coup de théâtre à la fin, que l'on voudrait être une surprise, sans doute, tout le monde l'a deviné depuis longtemps. Tout lecteur de romans policiers qui attend soit peu du métier dans ce domaine sait bien à quoi s'en tenir au sujet de cette dame au gardénia que l'on appelle plus joliment dans la version américaine originale « gardénia bleu ». L'histoire est des plus banales. Une femme, dans un moment de désespoir, accepte l'invitation d'un homme à se rendre chez lui. Elle boit et, devant l'empressement du monsieur, pousse la légitime défense jusqu'à le tuer. Tout le film, c'est la manière dont elle va tenter d'échapper à la police et les circonstances dans lesquelles un journaliste va s'efforcer de la sauver. On peut remarquer d'ailleurs que ce journaliste est un personnage assez ignoble. Sous couvert de faire son métier, qui consiste à vendre du papier, il se livre à un chantage répugnant. Gardénia Bleu, la meurtrière, n'étant pas encore découverte par la police, le reporter, par une lettre ouverte, lui propose de se faire connaître à lui et d'assurer en exclusivité à son journal le récit de son meurtre. En échange de quoi, la Gazette lui donnera, pour sa défense, le plus grand avocat des États-Unis. On voit la délicatesse du procédé. Tout cela est, paraît-il, parfaitement licite, puisqu'il faut avant tout vendre du papier. Le journaliste, après la publication de sa lettre ouverte, reçoit, sans avoir l'air de s'en étonner le moins du monde, des quantités de coups de téléphone de folles ou hystériques qui s'accusent toutes d'être les meurtrières. Elles auront ainsi leurs photos en première page et seront les vedettes de l'actualité. Ainsi, parfois, l'auteur esquisse une timide étude de mœurs. Mais n'allons pas trop loin dans le petit jeu des intentions prêtées aux auteurs. Le film est bien fait, bien joué et nous retient malgré ses défauts. N'en demandons pas davantage. Les échos recueillis par Maurice Renaud. Dans l'édition. Je vais empiéter aujourd'hui sur les attributions de Germaine Beaumont, car elle ne vous parlera certainement pas du livre sur lequel je voudrais aujourd'hui attirer votre attention, puisque ce livre paraît dans la collection de romans policiers Le Ruban Noir, dont elle assume la direction littéraire. Je rappelle au passage que cette collection, dirigée par une femme, ne présente exclusivement que des œuvres de femmes, anglaises ou américaines, et traduites par des femmes. Mais ceci n'empêchera pas les hommes, j'en suis sûr, de prendre intérêt au dernier volume présenté dans cette série. Je veux parler de Bois Gibet, The Hanging Wood, de John Morgan, excellemment traduit par Claudine Chaunaise. Ce roman policier, je devrais plutôt dire criminel, présente cette caractéristique de n'être que partiellement une œuvre d'imagination. Il s'agit en effet de l'adaptation romanesque d'une cause criminelle célèbre en Angleterre et inconnue en France, qui remonte à plus de deux siècles. En 1747, à Henley, la fille d'un avoué respecté, Mary Blundy, tombe éperdument amoureuse d'un brillant officier, William Cranstoun. Il est d'une famille noble, mais sans argent, et d'une moralité douteuse. Elle découvre qu'il a eu un passé orageux et qu'il est même encore marié. Elle ne s'en soumet pas moins corps et âme à une sorte de pouvoir occulte dont elle le croit doué. Cranstoun la conduira ainsi jusqu'au crime, à un crime qu'elle expiera seule et abandonnée de tous.
L'auteur propose, pour un meurtre que l'on avait jusqu'ici considéré comme simplement atroce, une explication humaine. Elle fait revivre avec une sensibilité toute féminine la terrible passion qui devait transformer une jeune fille romanesque en folle sanguinaire. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été inspirée par le fait divers suivant. Des voisins inquiets de ne pas voir depuis plusieurs jours Mme Carrie Werit, vieille mendiante de 86 ans, firent ouvrir sa porte par la police qui trouva la malheureuse gisant sur le plancher. Dans un coffre, les policiers devaient compter 291 800 $ en billets de banque et au total, la pauvresse possédait plus d'un demi-million de dollars, soit 200 millions de francs. Cette histoire, qui est d'Yvan Noé, est intitulée « La mendigote ». La radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre Les Amants de Gouttière, une fantaisie radiophonique d'Yves Jamiac, et Le Petit Courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Rappelons à nos auditeurs que tout le courrier concernant cette émission est à adresser à Émission Faits divers, Radiodiffusion française, 107 rue de Grenelle, Paris 7e.